Hello, hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Yahweh Solo. La recette du jour, c'est la pâte de maïs fermenté appelée akasa ou akban ou encore agidi ou ogi. Si vous êtes nouveau sur ma page, soyez le bienvenu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et à tous mes abonnés qui reviennent à chaque nouvelle vidéo, un sincère merci. Merci de faire grandir cette famille. Let's get started. J'ai utilisé, il s'agit d'une recette de la recette originale, donc j'ai utilisé du maïs. Je suis partie sur le maïs cassé parce que je vais utiliser mon robot mixeur, donc j'ai préféré prendre le maïs cassé. Voilà, vous pouvez le trouver facilement en store et ça sera d'une grande utilité. Donc j'ai commencé d'abord par rincer le maïs. J'en ai utilisé 2 sachets et je vais tremper ce maïs pour 3 ou 6 jours. Voilà, j'étais partie sur 6 jours parce que après le 3e jour, j'ai pas pu préparer. Donc, ça fait complètement 6 jours. Vous pouvez faire moins que ça. Après 6 jours, voilà. Entre-temps, j'ai remplacer l'eau, j'ai changé l'eau parce qu'après le 3e jour, comme j'ai pas pu préparer, j'étais pas disponible, donc j'ai remplacé l'eau. Voilà pourquoi c'est un peu clair. Donc je vais passer le maïs au mixeur. Rassurez-vous d'avoir un bon mixeur. Donc je fais tout revenir dans mon robot et j'y ajoute de l'eau. Mixer, voici le résultat. Voilà, ajoutez de l'eau qui puisse vous aider à bien mixer. Donc je fais revenir le tout dans un bol. Je rince un peu le fond de mon mixeur et voilà. Donc voici la consistance que j'ai pour le moment. Voici la consistance que j'ai. La prochaine étape serait de tamiser. La prochaine étape serait de tamiser. Voilà, je vais utiliser ce petit foulard pour tamiser le mélange. Ce qu'on recherche ici, c'est l'amidon. L'amidon veut retirer l'amidon de ce maïs. C'est avec cet amidon qu'on va faire notre pâte de akasa. Si vous avez un foulard en mousseline, vous pouvez l'utiliser, ça passe aisément. Ou si vous avez une perçoir qui a des trous extrêmement fins, ça aussi, ça peut vous aider. Voici le résultat. Ne vous inquiétez surtout pas de la quantité d'eau que vous allez utiliser et que vous utilisez parce que tout ceci sera mis au repos et l'eau reviendra au-dessus et vous allez retirer l'eau. Donc je vais renverser maintenant dans un bol qui puisse entrer dans un coin un peu chaud de la maison. Voilà. C'est bon, maintenant on se retrouve le lendemain pour la préparation. Rebonjour. Voici le résultat de notre dépôt d'amidon au lendemain. Et au passage, tous ceux qui n'aiment pas l'odeur de la fermentation, il faut changer l'eau. D'accord? Moi je l'ai changé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est évacuer l'eau au-dessus de notre dépôt d'amidon et je vous montre ce à quoi ça ressemble.
Voilà. Voilà le résultat, voilà ce que vous devez obtenir. Tout ceci peut sembler un peu compliqué, mais je vous assure, super très simple, super facile à faire. Il faut juste suivre les étapes. Je vous assure, vous allez adorer, vous allez avoir le hackma ou le hackassan original. Pour la préparation, on va commencer par revenir un peu d'eau qu'on va laisser bouillir. Une fois que ça commence à bouillir, on va ajouter petit à petit notre amidon. Vous ne versez pas tout en même temps, vous y ajoutez au fur et à mesure, tout en remuant. Voilà. Soyez patient avec le processus pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une seconde chose à souligner, c'est la quantité d'eau que vous allez faire bouillir avant de verser votre amidon ou bien votre pâte. Cette quantité d'eau, j'aime bien que ça soit pas trop beaucoup parce que ça dépend de comment vous voulez que votre hackassan sorte. Si vous la voulez léger ou bien vous la voulez un peu consistante, oui. Si vous la voulez léger, même si vous prenez un petit peu d'eau, vous faites bouillir un peu d'eau au début, vous avez l'opportunité d'ajouter de l'eau quand c'est trop dur. Mais quand c'est il y a beaucoup d'eau, ça devient léger, que vous ne pourrez rien faire. Bon. Donc je préfère toujours un petit peu d'eau au début et ajouter de l'eau à la suite. Voilà, j'ai ajouté un peu d'eau, je vais remuer, recouvrir, laisser bouillir et revenir. Voilà, je vais prendre soin de remuer encore une dernière fois, bien mixer, tout mixer. Et comme j'ai dit, dépendant de la consistance que vous voulez, ajouter de l'eau, si vous la voulez un peu plus dure, un peu plus mou que ça, oui. Donc, je vais mettre de côté maintenant les petits bols et puis on va passer à l'accompagnement. Pour savoir quand c'est prêt, touchez avec vos mains, prenez une petite partie, une petite quantité dans votre main. Quand ça ne colle pas, vous êtes bon. Pour l'accompagnement, on va frire du poisson et faire un petit jus de tomate. Donc, je commence d'abord par assaisonner mon poisson. Utilisez l'assaisonnement de votre choix. Ici, moi, j'ai un mélange d'ail, gingembre, poivre, oignon, anis. Voilà ce que j'utilise, auquel j'ai également ajouté du sel et un petit bouillon de cube. J'assaisonne bien et on va frire ce poisson. Je laisse mon huile bien chauffer et je fais revenir mon poisson. Je laisse ce dernier bien cuire et on s'attaque au jus de tomate. Pour mon petit jus de tomate, je commence par revenir un peu d'huile d'avocat dans ma poêle, auquel j'ajoute un mélange d'ail et gingembre que je fais sauter une petite minute. Ensuite, j'ajoute mes oignons que je fais sauter une petite minute également. Le temps que ça relâche un peu de jus, ça soit bien translucide. Et puis, je vais incorporer mes tomates.
J'ajoute maintenant mon concentré de tomates et cette dernière, je laisse bien cuire pendant 3 à 5 minutes pour que ça puisse bien relâcher son jus, ce côté un peu dur. Ajouter aussi de l'huile si besoin. Une fois que ma tomate elle a bien cuit, voilà, je viens ajouter tout ce que j'ai comme garniture ici, poivron rouge, jaune et vert, salé au goût, et voilà, votre sauce elle est prête. Mes amours, j'espère que vous avez aimé cette recette, vous avez apprécié, que vous allez essayer. Merci pour votre attention. Merci d'être répondre chaque fois à ce rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker les vidéos, de partager et surtout de vous abonner. Merci, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.